c'est la fête ce soir au Silo. Bonjour, moi c'est Johanna, je suis la présidente du Silo à Saintes. Depuis déjà quelques mois, on avait envie de proposer quelque chose sur Saintes parce qu'il n'y avait pas d'événement. On est vraiment sur un aspect pour les droits LGBT et non pas pour faire de la commercialisation de ça. Et donc il y avait une parade à La Rochelle il y a 15 jours et à Saintes rien. Donc on a demandé des aides à la ville qui nous ont été accordées et on a proposé à notre échelle une petite soirée. Parce qu'on propose toujours des événements avec des arts alternatifs, on va dire, une culture assez alternative. Donc soit des artistes concerts, donc des artistes émergents ou qui sont un petit peu différents de ce qu'on écoute habituellement. On propose des ateliers permaculture, on propose énormément de choses, mais toujours avec une valeur assez engagée, écologique, alternative. C'est un peu notre mentor. Et donc cette soirée LGBT, elle est pour faire connaître un petit peu à un public rural qui n'a peut-être pas accès à l'information de la même manière les jeunes que dans les grandes villes, etc. Donc on s'était dit, on va faire venir les associations de soutien qui pourront proposer de l'information. Et puis montrer des artistes issus de ce milieu, et pas que, parce qu'on a des artistes qui sont complètement hétéros aussi, et qui vont faire danser tout le monde ce soir.